Good morning. Allez, Yidane et Susra, aujourd'hui le Nishma Janin Rud Bafortune Mazal Fritna, Léa Chaibat Mazal Tov, Lucien Batrina et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sekhet Gitin, Perikret, Mishnah Vav, Kol Ha'arayot Shamru, Tsarotehen Mutarot. Alchu Hatsarot Ha'elu Venisou, Venimtseu Elu Ailonit. Tetse Mize ou Mize, Vechol. Adrachim ha'elu ba. On rappelle d'abord dans la Mishnah précédente, on a appris une situation d'une femme qui se retrouve, qui devait être divorcée du premier mari, qui se retrouve mariée avec un deuxième, et en fait, c'est pas clair lorsqu'elle a été divorcée du premier, du deuxième, elle est à la fois mariée avec les deux, imposée de divorcer des deux, avec tout un pack de chumrot, d'interdit, de misère, de galère qu'elle va avoir maintenant, qu'on a évoqué dans la prochaine Mishnah précédente, avec tous les droits qui vont lui être supprimés, le fait qu'elle va devoir recevoir un guet, un mamzer du premier mari, du deuxième mari, tout, la totale. Suite à ça, on va voir maintenant toutes les prochaines Mishnayot, on va évoquer, on va quitter le sujet de Gittin, pour quelques Mishnayot, mais on va s'intéresser de nouveau à d'autres femmes qui vont se retrouver dans cette même misère d'être prise entre deux maris et d'avoir le devoir de divorce entre les deux sans avoir plus aucun droit pour elle. En l'occurrence, le premier cas, c'est Kol Ha'arayot, enfin le deuxième ou le troisième cas, si on compte qu'il y en avait deux dans le Mishnah précédent, on avait changé de référentiel du temps et du lieu du guet, puis après les différences de nom, on a modifié son nom, on a écrit le mauvais nom, on a utilisé le mauvais pseudo, on a utilisé son pseudo qui n'était pas utilisable dans cette ville. On a modifié comme ça, et puis à présent, on va parler maintenant d'autre chose, on va parler d'une femme que la Yevam, vous vous rappelez comment ça se passe? Réhouven était marié avec deux femmes, Rachel et Léa. On avait appris que lorsque Réhouven meurt sans enfant, son frère de Réhouven, Shimon, il devait prendre une seule de ces deux femmes. Et avec elle, il va faire le hiboum, il va se marier avec elle, il va avoir des enfants, et l'autre, elle devient permise d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a des femmes qui ne sont pas aptes à faire le hiboum. Si jamais cette femme, c'est une Aïlonite, c'est une femme qui est une femme stérile, mais c'est chromosomique, si je peux dire, c'est génétique chez elle. C'est pas juste qu'elle, concrètement, elle a pas du tout les gènes qu'il faut. Alors là, dans ce cas-là, c'est une femme qui est complètement exclue du sujet du hiboum. Et Sarah, elle devra faire le hiboum à sa place. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a Kol Ha'arayot. Et à part ça, ça c'est pour l'aïlonisme, je vais un peu mélanger, ça, la mission prochaine, on va en parler de ça. Là pour le moment, devant Shimon, il y a deux femmes, Rachel et ça et Léa, qu'on a dit, qui vont toutes les deux, elles attendent qu'ils fassent le hiboum. On avait appris que s'il y a Rachel qui est sa proche parente, pour une autre raison, parce que par exemple, Shimon lui-même, il est déjà marié aussi à une autre femme qui est la sœur de Rachel, pas de Léa. Et alors maintenant, puisque il y en a une des deux qui lui est interdit de faire le hiboum, elle a plus besoin de faire le hiboum, et la deuxième, elle est dispensée complètement. Mais s'il s'avère que Rachel, en réalité, c'est une femme aïlonite, une stérilité, comme on a dit, génétique, eh bien, il s'avère qu'elle exclut la paracha du hiboum, et dans ce cas-là, elle doit faire le hiboum avec Léa. Et ce qui s'est passé, c'est que... Alors on avait Kol Ha'arayot, She'amru, Tsaroten, Mutarot. Toutes les femmes qu'on a dit que si elles ont une Tsara, une co-épouse, ouais, c'est deux femmes qui sont dans une même maison, qui est une Tsara, qu'elle devient permise. Donc on avait Rachel et Léa, et Rachel, puisqu'elle est proche parente de Shimon, elle est dispensée du hiboum, et elle dispense aussi Léa de faire le hiboum, mais il s'avère qu'ensuite, Alchur, Atsarot, Eloa, Venisou, après, donc, je traduis la phrase, après je reviens sur le cas. Donc, elles sont parties ensuite, les co-épouses se marier avec quelqu'un d'autre. Venim tseu aïlo aïlonite. Et il s'avère qu'en réalité, la proche parent était en réalité aïlonite, était une stérile, comment dire, génétique, foncière, j'ai pas le mot exact, mais était une aïlonite. Dans ce cas-là, tetseu miso mise de choladrechem aïlouba, elle devra recevoir le guet des deux, et le pack des interdits et des misères qu'on a évoqués dans l'émission précédente sont applicables sur elle. Je réexplique le cas plus clairement et calmement surtout. On a Réhouven qui est marié à deux femmes, Rachel et Léa. Réhouven meurt sans enfant. Shimon, son frère, il doit en théorie faire le hiboum à une de ses femmes. Il s'avère qu'en réalité, Shimon, il est proche parent avec Rachel
par sa femme, on a dit, par exemple. Sa femme, c'est de la sœur, Rachel, c'est de la sœur de sa femme. Donc en théorie, Rachel, elle ne peut plus faire le hiboum. Nachon, parce que c'est vrai que Shimon, il a une mitzvah de prendre la femme de son frère, mais il n'a pas le droit de prendre la femme de son frère si c'est une inceste pour lui. Donc il ne pourra pas la prendre. Donc Rachel, elle est dispensée de hiboum. Et puisque Rachel, elle est dispensée de hiboum, c'était le grand chidouche de la première Mishnah de Yevamot, que toutes les autres coépouses de Réhouven seront dispensées aussi de hiboum. Donc, elles peuvent partir se marier avec quelqu'un d'autre. Le temps passe, et on découvre qu'en réalité, cette Rachel-là, c'était une Aïlonite. C'était une Aïlonite, ça veut dire que c'était une femme qui était foncièrement stérile, et il y a plusieurs manières d'expliquer, mais on va expliquer. D'abord, si elle était stérile, ça veut dire qu'en réalité, elle n'était même pas mariée à son frère. Parce que quand on se marie avec une femme, et qu'après on réalise qu'elle était Aïlonite, elle n'est même pas mariée. Donc en réalité, elle n'était pas mariée, donc en théorie, Léa, elle attend toujours de faire le hiboum. Maintenant, les années sont passées, Léa, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Elle est partie avec quelqu'un d'autre, mais elle n'avait pas le droit de se marier, parce que maintenant, c'est Shimon qui doit lui faire le hiboum. Catastrophe. Ouais, vous imaginez, elle partit avec quelqu'un d'autre depuis, elle a refait sa vie. Elle a déjà des enfants qui sont nés. Et maintenant, Shimon, il lui dit, mais dis-moi, t'es ma femme, enfin, tu dois être ma femme, t'es ma Yevama. Alors, je crois que la Mishnah, elle va selon d'après Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas, après je vous le dirai, d'accord. Mais maintenant, elle est mariée avec quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, elle n'est pas le droit de se marier avec lui, elle doit être mariée avec moi. Les Kiddushin qui l'a fait, ils ne sont pas mariés, les enfants qui sont nés, ce n'est pas des bons enfants. Selon Rabbi Akiva, ça devient des enfants mamzerim. C'est une catastrophe. Concrètement, pour la Halakha, ce ne sera pas des mamzerim, de toute façon. Ouais, et c'est comme nous dit le partenaire à la fin, que dans les 20 mots, on explique cette Mishnah, le son de Rabbi Akiva, que tous les enfants sont des mamzerim. En tout cas, selon Rabbi Akiva, et la Halakha n'est pas rétablie comme cette Mishnah réellement, mais selon Rabbi Akiva, concrètement, les enfants, c'est des mamzerim, et on a maintenant, elle devra faire la Khalitsa avec Shimon, recevoir un guet de son mari, les enfants qu'elle pourra avoir avec Shimon ou avec le mari, ce sera des mamzerim, et avec tout le pack des interdits et des droits supprimés qu'on a pris dans la Mishnah précédente, la Mishnah Hei, ils seront applicables sur cette femme. D'accord ? Ce que la Mishnah nous dit, t'es au musée, v'chol adrachim aelu ba. Et tous les drachim, tout le pack des restrictions et interdits et droits supprimés devront être appliqués sur cette femme. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de matzlacha kol tov.